tout le monde, c'est Vandanabulo et on se retrouve pour le 7e épisode de Pokémon Y. On était à Versailles. Donc, on est parti. Hein, on va pas perdre de temps. Donc, sinon, les people qui voyaient à l'heure actuelle cette vidéo, je voulais vous poser une question très très existentielle. Attention, c'est la question qui tue. La question à 1 million de dollars. Vous allez bien? Moi, personnellement, on va dire que... je fatigue un peu. Mais... j'ai la pêche. La pêche. C'est un nouveau concept entre le peps et la pêche. La pêche. Enfin, bref. Donc, on est récupéré à Pokéflûte. Mais avant d'aller... réveiller le Ronflex... on avait récupéré des objets par-ci par-là qui peuvent être utiles, puis sur, on va dire, 2-3 dresseurs. Ah oui, Dieu. Tiens, en plus, je l'avais même pas vu. Et j'avais un paquet le plus grand que moi, ce que je dois réserver. Je suis sûr que c'est un gamin, obligé. Putain. Merde. Flûte. Oh là là, mais quelle vulgarité. Oh, mais pauvre passe rouge là, il va tellement prendre cher le petit coquille loup. Hop. Voilà, intensive. Ah bye bye. Ça c'était rapide. Donc finalement, j'ai pas encore tourné d'épisode en live, hein, parce que je vous ai dit que je n'ai pas encore reçu... peut-être vous avez mal compris. Quand je dis 4 avis positifs, c'est genre 4 pouces bleus, quoi. Oui, c'est un truc... oh là là, il se booste les pouces bleus, oh le tricheur, oh le méchant, etc. Si vous mettez 4 pouces bleus, je vous fais un épisode en live de Pokémon Y, y a aucun souci. Musiole. Je sais jamais sont de quel type les Musiole, Lumivole. Ah, paralysé déjà. Oh, je parie pour qu'il me rende cinglé. Oh là là. Allez, plus le, défends-toi. Non. Et donc 7e épisode, dans 3 épisodes on enchaînera la 10aine. Et ouais. Et ouais, et ouais. Donc, à l'heure que je tourne cet épisode, nous sommes le 7 octobre, donc vous l'aurez demain, donc le... oula, le 8 octobre, dis donc. Ah, c'est pas passé loin, hein. À la... à la mascotte, aurait pu perdre, et ouais. Mais elle tient bon, elle tient bon. Ah, merci le multi-exp, hein, ça rend pexé à toute l'équipe de manière assez tranquillou. Hop. Franchement, bien, le 3DS Capture Board, c'est pas parce que je suis pas obligé de toujours regarder ma 3DS en permanence. Ça, je trouve ça plutôt cool. Disons qu'il y a un truc qui est fourni pour qu'on puisse capturer. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment très très bien. Bon, j'ai remarqué quand même que vous avez un petit peu boudé le précédent épisode. Bon, il y en a qui l'ont apprécié, d'autres qui ne l'ont pas vu. Et encore d'autres qui s'en foutent totalement. Mais on m'a quand même... on m'a quand même félicité pour l'accent du campagnard. Ça, c'était pas évident à faire. Ça, je l'admets. J'espère que dans les viewers, il n'y a pas de campagnard. Je pense que je vous ai pas offensé. Bah, au pire, vous vous êtes vengé, j'ai offensé les British avec l'accent. En plus, le utilise est un sûr. Vous voyez, c'est... ah, ça baisse mon attaque, c'est pas... je confonds souvent l'attaque charme et attraction. Je sais jamais laquelle fait laquelle, jusqu'à que je me prenne l'effet de l'attaque. Et c'est pas cool. Eh ben... en tout cas, je fais la raja des niveaux là, ça fait plaise. Notre tapis Trini qui n'évoluera jamais.
Voilà, nous avons battu Naoko. Oui, c'est la société de Kalos. J'ai une autre spécialité si tu veux. Il me semble qu'il y a une CT à récupérer par là. Enfin, dans cette petite zone-là. Donc ici, si vous êtes un amoureux des Nangals, ou des Ningals, ou ce truc-là, eh ben, vous pouvez vous faire plaisir. Mais si vous les aimez pas, bah... Putain! Oh lui je le capture! Oh lui je le capture! Ah lui je le capture! Obligé! Enfin juste que je vais pas le OS, ça m'étonnerait parce que c'est pas très efficace. Ah c'est parfait! Oh, faut que je le capture! Je sais déjà lui comment je vais l'appeler. Peut-être j'utiliserai beaucoup plus tard, mais faut que je le capture. Ah lui c'est... Faut que je le prenne. C'est pas parce qu'il est fort ou quoi que ce soit, c'est... Ouais ça... Ça me fait penser à un bon pote. La chance qu'on peut utiliser la barre. Bon, s'il a arrêté d'esquiver ma baisse, oui, tout à fait. S'il pouvait arrêter de baisser mon esquive, le truc, il est dans mon cerveau, il est pas sorti bien. Allez! 1! À 2! À 3! Ouais! On va sortir le stylet! Et hop! Son nom scientifique est Rhodiops Wandelus! Lorsqu'il fait nuit, il se déplace à l'aide de ses racines pour disséminer ses graines. Donc ça va être l'origine de l'attaque Vampigraine. Bah bien sûr que je lui donne un surnom, qu'est-ce que vous croyez. Voilà, ensuite. Et hop. Et voilà. Alors. Ah oui, voilà, il y a la petite montée, je dois aller dans le coin, ça doit être ça. Donc voilà. Un Pistigri. Je n'ai jamais pris ce Pokémon. Je sais qu'il voulait un Mystigrix. Mais honnêtement, il m'intéresse pas plus que ça. Alors, je pense pas qu'il y aura de champion d'arène dans cette vidéo. Je pense que le prochain champion d'arène arrivera d'ici peut-être une ou deux vidéos. Parce que, quand même, il y a un écart vraiment certain entre le premier badge et le deuxième, quand même. C'est, je crois, c'est jamais arrivé dans un Pokémon qui ait autant d'écart. Voilà, il me semble que c'est choc venin, quelque chose comme ça. Je suis trop fort. Je me souviens des trucs. Ah, il me semble qu'il y a peut-être un dernier objet à récupérer, non? Un Pistagré. J'ai pas le temps! Il n'est pas le temps, il n'est pas le temps, il n'est pas le temps. Ouais, mais les combats, il y a. Ah, désolé. On a déjà notre Agiasia qui est une femelle. Nous avons capturé. Malheureusement. Je vais te battre, après je serai super célèbre. Akira, le gamin. Cradopo. Combat poison, je crois. À moins qu'il obtienne ça quand il évolue en Coatox. Je vais t'étinceler. Je t'ai étincelé. Oh non, il sera pas célèbre. Oh mon dieu. Il reste un Dardarnion. Ah, super bien fait le Dardarnion. Dardarnion. Oh mon dieu, ils lui disent la Buizanz. Ils se gonflent.
Vous imaginez si on utilise puissance, 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 est-ce qu'à un moment donné le Pokémon il éclate? Ça c'est une bonne question. Hein. C'est il se gonfle. Donc logiquement, plus gonfle, à un moment donné il va péter, non? Pensez-y. C'était la question intelligente du jour. Bon, eh bien, je serai ça plus tard dans ce cas. Les mecs, mais les gens en général d'ailleurs, peut-être il y a des viewers, je ne sais pas. Mais en tout cas, je viens de donner naissance à Akira Toriyama parce qu'il a dit qu'il serait ça plus tard. En fait, bah, s'il avait gagné, il aurait pas créé Dragon Ball Z. Du coup, on n'aurait pas eu tout ce qui est Sangoku, etc. On se serait pas amusé à faire les Kamehameha. Oh, le paradoxe. Oh, mon dieu! Mais quelle connerie je viens de sortir! Oh là là, ça va pas bien la tête, hein! Hop, allez, on reprend les Waters! Waterblade! Waterblade! Alors, en principe, mes baies elles ont dû pousser. On va aller voir le fruit de notre résultat. Wouah! J'ai la main verte! Dites-moi, cher enfant, auriez-vous réussi à emprunter la Pokéflûte? Bah bien sûr, pour qui tu nous prends, allez tiens. Oh! Vous êtes le seul à pouvoir jouer de ce drôle de pipeau. On fait exprès de nous attaquer si t'es d'humeur chafouine au réveil. Êtes-vous prêt à affronter cette aventurité? Ya, yeah, je suis toujours prêt, moi. Quel plaisir de la tenir à nouveau entre mes mains. Bien, commençons. On parlait de la Pokéflûte, hein. N'est-ce pas, hein? Le ronflex a ouvert les yeux. Ou plutôt entre-ouvert. C'est assez relatif. Hein. C'est comme si tu disais que Pierre a ouvert les yeux dans Pokémon. Il a ouvert les yeux une fois dans un épisode. Je ne sais plus lequel, mais il a ouvert les yeux. Là, on va tenter de choper. Viens ici, ronflex. Je vais te battre. Enfin, je vais te capturer plutôt. Il a un reste, ok. Ou c'était une baie ça? Ah, c'était une baie. Wouah! Eh, ça fait bizarre le boule armure sur lui quand même. Ah, bah parfait, j'aurais pas eu de saccage éclair. Non, voilà. Je pense qu'après un petit vive attaque. Enfin, non, quoique, j'ai déjà tenté une capture. Pokéball, go! Pokéball, cassé! Oh putain. Oula, il y a eu un petit tentadente. C'est le tout pour le tout. Soit je pars plus le, soit on gagne un ronflex. Croisons les doigts de pied, les doigts d'orteil, croisons les yeux. Et bah... Ah, il n'a pas pu attaquer, c'est une bonne chose. Mais non! Mais non! Mais... L'espoir, je vais en perdre un et je vais pouvoir récupérer un ronflex. Quoi qu'il veut, apprendre une morsure. Ah, c'est coréen. Du coup, on va remplacer les choux parce que c'est caca. Le ronflex a disparu dans les montagnes. Ronflex a disparu. Peut-être qu'il reviendra faire la sieste une autre fois. Oh, désolé d'arriver comme un cheveu sur la souffle. Mais arrête avec tes blagues sur les cheveux, mince. Oh, c'était l'acte gentil de la soirée.
Il lui a donné une Pokéflûte. J'ai réagi exactement comme ça lors de ma première partie. C'est la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais vue. Pour une fois qu'elle est drôle, bah, ce sont leurs affaires après tout. Bon, Jonas, ce qu'on va trouver maintenant qu'on peut passer. Eh ben, moi je te dis. Salut! Ils sont sortis d'où, eux? Ah, sûrement d'être Chubaki. Trois voulaient voir la pension Pokémon, alors on y fait un tour. Mais on me demande pas mon avis, moi. Blablabla. Pum 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 pum. Et là, il disparaît comme Sangoku. Alors, je veux dire, il était dans l'endroit de la sortie, mais il y a eu une sorte de mini latence avant qu'il disparaisse. C'était bizarre. Ouais, bien sûr, je l'ai capturé. Je sais même plus qui c'est qui me l'a donné. Et reviens-toi, mais reviens sur le nain. M'a dit, oh putain, une cassette noire, non, je vais le faire raqueter. Un Keulerior. Personnellement, je n'en ai jamais pris, je n'en vois point l'utilité, malheureusement. Parce que ce Pokémon ne m'intéresse pas vraiment. Il me semble que c'est. Il doit. Voilà, Gribouille. Du coup, il va copier l'attaque étincelle. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il a que Gribouille. Mais ça va en termes d'XP, c'est pas dégueulasse. Tu veux. Ouais, mais t'es nul, vas-y, moi j'en ai eu 53 d'abord. Que mon âme explose dans ce combat brûlant! Chihiro le peintre! Avant qu'il fasse son voyage, c'était un artiste peintre. Je n'ai pas vu ce film, je sais, honte à moi. Niveau 19, pas mal. Maintenant, tu peux faire ton voyage. 18-30. Ah, y'a un combat double. Du coup, je sais plus, ça va être. Je vais avoir qui contre qui. L'horreur et que l'horreur. Mais quelle inspiration. Ça va, ça passe plutôt pas mal. Bain de smog. Bon, il faudrait repiquer. Et voilà. Oh, presque, dommage.
L'instant où t'as perdu contre moi. Peut-être soigner plus le. Et voilà. Je veux pas faire exprès de le perdre quand même, c'est pas cool. Un tu utilises Brutal Hybrid qui s'est un petit peu fait distancer en termes de niveau, c'est pas cool. Oui, c'est vrai que là on peut faire. C'est quoi l'équivalent dans les autres trucs? Peut-être genre une tour de combat, un truc dans le genre, c'est. Ah bah tiens. Dis-moi, Vandal, tu as quel titre? Quoi, tu n'en as pas? Pourtant, avec ton niveau, tu devrais en avoir. Les titres sont décernés aux dresseurs qui ont fait leur preuve dans le château de combat. Sans surprise, seule une poignée de dresseurs triés sur le volet peut y prétendre. Dame Violette, vous connaissez cette personne? Ah, vous possédez le badge coléoptère. La preuve que vous êtes une personne d'estime pour Dame Violette, à tout le moins. Permettez que je me présente. Reginald Pennyworth, troisième du nom, pour vous servir. Et vous êtes Vandal, comptez sur mon infaillible mémoire pour en souvenir. Je vous recommande chaudement Vandal, vous pouvez lui donner un titre. Je suis sûr qu'il vous reste en stock et puis il ne saurait pas voler le château, il gagnera, c'est sûr. Fort bien. Une recommandation aussi catégorique de votre part, Dame Violette, à valeur d'ordre. D'autant plus que mon expérience me permet de préjuger de bien déquêter chez Monsieur Vandal. Monsieur Vandal. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme baron. Hé, je suis devenu baron. Les dresseurs jouissant d'un titre peuvent en ces lieux jouter avec d'autres dresseurs. Également porteurs d'un titre, noblesse oblige. Le titre de baron vous place au plus bas de cette auguste et multiséculaire hiérarchie, mais en prenant votre valeur et multipliant les victoires, vous en récolterez les lauriers et les titres afférents. Ce faisant, vous attirez l'attention de nos plus estimés dresseurs qui consentiront à venir croiser le fer en cellule tout empreint de gloire. Aurez-vous la moindre question, adressez-vous sans honte au petit personnel près de l'entrée. Dame Violette, Monsieur Vandal, veuillez m'excuser. J'ai un titre, tu sais. Essayez donc d'obtenir le titre ultime et on aura peut-être l'occasion de s'affronter. Mais vous doutez bien que je vais pas m'attarder sur ça. Plutôt continuer notre bonhomme de chemin. Une toile blanche et pure, comment peindre quelque chose dessus? Et quand vous rencontrerez un peintre, ce sera quelqu'un que l'Orient. Hein. El Brutal Libre. Ayata. Et voilà. Je pense qu'avec si on rencontre des coloriers en chaîne, il y a moyen, il y a peut-être moyen que. Comment ça s'appelle? Qu'il grimpe assez vite en termes de niveau. Non, encore, c'est de la. Ça vaut pas le coup comme capacité. Ah, voilà. J'aimerais vraiment faire un combat à 4. Cyrano et Trovato contre Sir Vandal et moi. Qu'en dites-vous? Ouais, allez. Allez. Pam 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 pam. Tan 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 tan. Na 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 na. On n'a pas l'avantage. Ouh là, par contre, ça y a un coup de lag. On va commencer par s'occuper du écrapince. Bon, ça va. Brutal Hybrid a une bonne défense, également beaucoup de niveaux d'écart, donc ça va. Enfin, le lag vient du jeu directement, c'est pas ma capture ou quoi que ce soit, c'est que des fois il peut avoir des coups de lag quand il y a trop de démons. Ça, je trouve qu'ils ont un peu mal joué sur ce point là. Mais bon, ça retire pas le plaisir du combat quoi, donc
Sur ça, il y a absolument no soucis. Boutant mon point karatei. Oh, on le finit là. Et voilà. On va prendre un statique, non? Ah non, même pas. Danse flamme. Griffe, ça me sert pas à grand chose. Pam, 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 pam. Il y avait encore un Pokémon en réserve. Normalement, durant les combats contre les rivaux ou les rivales, je sais pas comment ça je dis, je parle pas beaucoup parce que j'aime vraiment bien la musique. Et voilà. Alors vous racquez de 3000 Pokéthunes les enfants. Donc pas que chaque dresseur a son propre style. Bien maintenant cap sur Roche sur Glyph. Ok, mais laissez-moi passer. Alors donc pour cette grotte qui se nomme Cave Connecteur, voilà. Donc raccourci va refuck le haut. Mais pour ça en fait, pour passer par là, il nous faudra il me semble la CS Force pour créer un raccourci entre les deux parties de la cave. Mais avant, comme je vous ai dit, panneau photo, qui dit panneau photo, dit qu'on va faire une photo. Prendre une photo. Je pense que là, on est bon. On peut régler le focus. Et voilà que cette photo, qu'elle est belle. Et voilà. Bon, allez, vu qu'on a les moyens, allez, c'est sur mon compte. Donc nous allons passer par là. Il me semble qu'il y a un petit objet à récupérer par là. Je vais replacer le stylet. Un cradopo. Il va passer un sale quart d'heure le pauvre. Un petit coup d'aéropiqué, ça devrait passer tout seul. Voilà, sa vie elle a fondu. Une Bekika. Et un petit champi. Et là, il me semble que j'ai la CS Scoop, que je vois à qui je peux l'enseigner du coup. On va prendre à lui, tiens. On va enlever. 40, ouais, la griffe c'est un peu moins puissant, donc c'est tout comme quoi, donc voilà. Voilà, du coup, on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière l'arbuste. Un fluvetin, c'est la première fois que j'en rencontre un. Oui, ça doit être un Pokémon de type psy, non? Il m'a identifié. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Faut pas que je laisse utiliser plusieurs fois Echo, parce que...
Je sais plus si c'est avec écho ou mégaphone que tu utilises, plus ça devient puissant. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Donc. Awacha! Attention, nous avons une poudre argentée. Ah ouais. Et donc c'est à l'entrée de la cave connecteur, oui, parce que je vais pas vous la faire tout de suite, hein, je suis un gros enfoiré, que cet épisode s'achève. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, surtout de ma connerie. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, comme d'hab, bon courage si vous avez une semaine ou une fin de semaine assez compliquée. Et bah portez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.